Salut tout le monde, c'est Monsieur Manoff. Nous voilà déjà pour le troisième épisode de ce let's play sur City Skylines. La dernière fois, on avait agrandi un petit peu notre zone résidentielle, commerciale et industrielle, et on va s'étendre pour l'industrie de ce côté-là. Alors, j'avais fait un rond-point ici, mais ça me plaît pas. Je trouve ça beaucoup trop gros, trop moche. Alors, on va tout de suite, comme j'avais dit, le refaire. Comme ça, on va pouvoir améliorer la suite. Alors, hop, je vais juste laisser tourner un petit peu pour voir en monte. Donc là, voilà. Ça, désolé les gens, je coupe un peu de tout. En fait. Ouais, en fait ce que je vais faire, c'est que... Ouais, mais si je fais ça, je risque de boucher mon autoroute. Ça, je ferais bien... Bon, bah, je vais tester. Je vais essayer. Je vais... En fait, je vais... Je vais couper l'autoroute. Et je vais placer un big rond-point. Ah, je peux pas. C'est pas que j'ai. Je vais placer un gros rond-point en plein milieu. Ici. Et je vais reconnecter l'autoroute. Quoi pour me tranquiller? Ah non non, je peux pas des coups comme ça. C'est pas déjà occupé de contrôle. Ah là je peux. Ici je peux aussi. Bah non, bah j'ai juste à faire celle-là, mais il veut pas. Ah. Et bah je suis embêté. Je peux pas. Là je peux. Voilà. Donc en fait de faire ça, alors je sais pas du tout si ça va être bien, hein, j'avais jamais fait ça avant, mais ça va me permettre de faire des sorties directes et des entrées. Donc notamment une entrée ici, les gens rentrent et peuvent ressortir. Une entrée ici. Normalement, les gens viennent, rentrent ici et ils repartent par là. Et si ça leur va pas, ils continuent leur chemin sur l'autoroute. Je vais juste accélérer un peu le mouvement pour voir si ça ne pose pas des bouchons sur l'autoroute. Normalement, c'est cool. Là, je vois qu'il y a des gens qui partent. Là, il y a des gens qui rentrent. C'est cool. Peut-être le virage est un petit peu serré. Là, les gens ils rentrent, ils ressortent. C'est super. C'est super. C'est exactement ce que je voulais. Et bah du coup, c'est beaucoup plus compact et on va même pouvoir construire autour. On va même pouvoir construire autour. Cool! Je suis content. Vous en foutez, mais je suis content. Ah, là, je vois qu'il y a un problème. Il y a un problème de... des déchets qui s'accumulent. Alors, j'avais une décharge ici. Une décharge qui est déjà pleine. Ah! Une agglomération d'affaires. On a des bâtiments niveau 4. On peut pouvoir faire du pétrole, le transport gratuit. Il y en a surtout beaucoup d'autoroutes. Je sais pas si j'aurais dû faire une autoroute avant. Et des nouvelles centrales à l'habitat. Cool!
Prochain objectif à 7000 personnes. Et 7000 personnes, on aura le métro et des zones denses. J'aime les zones denses. Le métro surtout qui brûle. Alors là, j'ai un problème de déchets. J'ai un gros problème de déchets là. Ah ouais, ça manque que la moitié, ça manque pas cette partie là. Non, c'est surtout parce qu'il y a plus d'espace en fait. C'est pas que ça couvre pas. Hop, on va en mettre une deuxième. Et peut-être même... Non, pas tout de suite. Pas de troisième tout de suite. On va déjà attendre. Là, je vois qu'il n'y a pas de zone. C'est peut-être parce que j'ai construit que ça a cassé mes zones. Voilà. Là, j'ai l'impression qu'il y a des poteaux électriques qui servent à rien. Ça. Là aussi, parce que ça commence à s'étendre un petit peu. C'est peut-être juste... Peut-être faire juste... Voilà, comme ça. Ouais, les déchets, là, c'est vraiment monstrueux, là, ce qui se passe. Normalement, ça devrait repartir assez vite, puisque je vais avoir de nouveaux camions poubelles en service. Ouais, je suis embêté sinon. Est-ce que j'ai un incinérateur? Non. Il faut combien? C'est 7000. Bon. Le trafic. Voyons voir. Trafic est pas bien du tout. Ah ouais, en fait il emmerde tout le monde. En fait il bloque tout le monde quand il vient là. Pas grave, on dirait que ça se dégage un peu. Ouais. Sauf qu'en fait les gens qui viennent de là peuvent pas aller là. Eh oui. Eh oui oui oui. Donc c'est pas bien ce que j'ai fait. En fait j'aurais dû faire les gens qui viennent de là. Ils vont ici. Ça va peut-être désengorger un peu le trafic à cet endroit-là. Je pense que tout le monde s'en fout. Mais... De toute façon, une fois qu'ils sont là, ils repartent là. Donc c'est pas un problème. Sauf s'ils veulent aller là-bas. Mais s'ils veulent aller là-bas, ils vont passer par là. Ouais, mais non, c'est nul. Ça va m'embêter à la longue. Là, ça c'est pas mal. Faut juste que les gens qui viennent là. Voilà. Ouais, ça me paraît logique. Là, il ralentit juste avec le passage à niveau, mais il accélère derrière. Il ralentit un peu trop, vraiment. Ici. Alors, on recommence. Là. Voilà. Ça devrait être mieux. Là, toi, bah oui, mais toi, t'emmerdes tout le monde, là. C'est un tracteur, en plus. Là, il ralentit. Ouais. Il va repartir sur mon autoroute. Ouais, ça le fait, ça le fait. Bon. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors là, on avait fait le tour avec l'eau, hein. On avait fait le tour.
Les gens veulent des habitations encore. Il y avait beaucoup d'habitations décidément. Eh bah c'est parti. Hop, on est reparti. On va continuer notre petit délire. Ah non, non, on va pas continuer notre petit délire. On va... On va faire... Non, on va encore continuer un peu le délire. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, si vous avez des idées de forme ou des choses comme ça. Je suis vraiment pas inspiré là. Oups, c'est pas ce que je voulais faire, c'est pas très grave. Donc si vous avez des idées de forme d'habitation, je suis tout à fait preneur. Ah, je me suis trompé. Oh là là. En fait, j'ai fait des sorties de route. Ah, bon, ah, je me disais, c'est bizarre, on voit pas les zones. Ah non, on va la laisser droite, c'est bon. Ah, je sais ce que je vais faire, On va partir sur un bloc. Ouais, on va faire ça. C'est pas très beau, hein, mais bon. Et là, je vais faire... Ah ouais, genre, oui. Je vais tenter un truc. Je vais faire... Une espèce de petite croix. Partant de là. Très symétrique, hein. Normalement si je fais là, ouais, c'est très moche, très 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 moche. En fait je pouvais passer plus rapidement. Ouais, donc j'ai vraiment pas d'idée là pour l'instant de forme ou de forme possible, hein, de trucs que ça se trouve si vous y avez joué, des trucs que vous avez fait, c'est vraiment très beau. J'ai pas vraiment d'idée. Alors, si vous avez des idées, je les prends avec plaisir. Avec plaisir. Si vous avez des idées d'amélioration aussi, je les prends. Peut-être des trucs que j'ai fait et qui vont pas être très pratiques pour plus tard, pour le transport ou pour autre. Je prends tout. Voilà, donc vous pouvez me les mettre en commentaire sans problème. N'hésitez pas non plus à me laisser des petits pouces verts et des abonnements. Ça fait toujours plaisir, ça motive vraiment. Ça motive vraiment, vraiment, vraiment. Alors attendez là. En même temps que je parle, je gère pas vraiment les problèmes qu'il y a dans ma vie. Je sais qu'il y en a beaucoup. Là j'ai quoi? C'est pas s'occuper. Voilà. Voilà. Pour l'eau, on est bon. Pour l'eau, on est bon. Pour l'éducation, on n'est pas bon du tout. L'éducation, c'est très très mauvais. Si je me place là. Là, ça gère rien. Je suis un peu en galère. En fait, c'est pas très bien ce que j'ai fait. J'essaye. On verra plus tard. Le gars qui craque.
Ah ouais, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal, ça couvre pas mal de place. Je vais mettre là. Ouais, ça c'est bon ça. Je vais mettre un deuxième par là du coup. Ouais, nickel. Nickel. La santé. La santé, je vais mettre un gros hôpital. Un hôpital immense. Si je le mets là, je devrais avoir plus de monde impacté d'ailleurs. Ouais. La santé, on est bien. Les pompiers. Pompiers, il faut des pompiers là. J'ai fait une ville n'importe quoi. C'est un bordel. Je vais attendre de pouvoir faire le grand centre. Il a combien le grand centre? 60 000! Ouais, j'en ai pour 50 ans. Le transport en commun, pas tout de suite. Prochain épisode, le transport en commun. En fait, je veux d'abord attendre, avant de faire mes transports en commun, d'avoir vos retours sur la manière dont j'ai construit mes routes. Parce que j'ai l'impression que là, c'est pas très pratique quand même. Alors, j'aimerais bien avoir votre retour à ce sujet-là. Voilà. Pour avoir des idées d'amélioration, des idées de construction aussi, ce que j'ai mal fait, ce que j'ai bien fait. Je vais placer des... Alors, on m'a dit que ça, c'était super important. De faire des chemins pour les piétons. De quoi est-ce pas s'occuper? Ouais, donc on m'a dit que c'était super important puisque c'est grâce à ça que les piétons ils vont en fait se déplacer dans ma ville. Et apparemment on peut aussi pour éviter qu'il y ait trop de passages piétons les surélever. Je vais rajouter un parc. Terrain de jeu. Terrain de jeu, ça coûte pas non plus. Puis ça va couvrir des mondes du monde là-bas en plus. Alors, je vais faire ça, je vais faire un terrain de jeu. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Côté trafic. Des trafics là, c'est pas bon du tout cette route. Elle est très très empruntée. Alors on va l'améliorer. Voilà. Ça devrait. Je peux pas là. Je peux pas à cause de mon hôpital, je crois. Exactement. À cause de mes pompiers. Oh, c'est pas grave, je vais le déplacer pour le moment. J'ai pas d'argent. Ça va bien ça. Ça coûte quand même 4 800 de faire un transfert. Faut pas se planter. Bon. Bah voilà. Bon, c'est pas grave. Ça, on pourra le faire plus tard. Déjà, je pense que ça va aller mieux côté trafic. Ah oui. C'est beaucoup mieux. Là, il y a des bouchons. Là, pourquoi il y a des bouchons? C'est quoi qui galère? C'est galère parce qu'il y a beaucoup de feu. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de feu. Ouais, bah je sais pas. Je crois que là, il y a des problèmes de déchets. Bon, alors là, pour le coup, c'est vraiment pas grave. Ah oui, mais si, c'est grave parce que ça coûte 4 000. Et je sais même pas les sous. Il y a toujours les problèmes d'eau usée. Oula, oula. Qu'est-ce que j'ai fait?
Qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement. Juste pour ça, quoi. Ah ouais, oulala. Ah oui, bah on a perdu tous nos habitants, là. Oh, vous avez vu l'effet que ça a fait d'un coup, là. Je suis passé à moins 2000, c'est pour ça que j'avais plus de sous. Faut vite que ça remonte, là. Eh ben, j'avais pas vu. Ça, vous avez dû rager, ça se trouve, si vous avez vu ma vidéo. Putain, mais qu'est-ce qu'il fait? Ah là, ça va beaucoup mieux, et ça va beaucoup... Mais je me demandais pourquoi j'avais pas de sous, en plus. Pfff, oh, quel artiste. Quel artiste. Bref, bref. Là, on a des problèmes de déchets. J'aimerais qu'ils puissent sortir et re-rentrer. Donc, il faut pas les mettre là. Si je veux... Ah si, ils pourront en rentrer. Donc, il faut bien le mettre là. Ah ouais, mais là, voilà. Pourquoi espace occupé? Non, pas d'espace occupé, rien du tout. Ah là, je peux redécaler mon pompier, là, du coup. Ma caserne. Ah, je peux... Et là, normalement, il y avait... Non, te construis pas tout de suite. Voilà. Hop là, jusqu'au bout. Ouais, du coup les pompiers ça va pas du tout ce que j'ai fait. D'ailleurs c'est pas les pompiers, c'est un collège. Oh si, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça me plaît. Ça me plaît. Bon là, il n'y a plus beaucoup de demandes. Hein. Faire des transports. Transport, j'aimerais bien attendre la prochaine fois. On va améliorer ici en faisant un parc assez gros. On va faire un parc ici, ça va les rendre contents. Là j'avais déjà un parc, il me semble. Un autre. Ah, il avait déjà un. C'est pas grave, là, ils sont plus contents. On va continuer. On va mettre un parc. Un parc. Là. Là, ils seront contents aussi. On va en mettre un là. Et on va en mettre un là. Je vais même me permettre d'en poser un là. Toi, tu sers à rien ici. Abandonné. Bon, pas de pitié. Voilà, ça devrait faire monter ma population. Objectif 7000, hein, ça fait un moment qu'on traîne à 4008 là. Voilà, oh là là, ça se remplit. Hein. Là, ça se remplit. Bon, c'est pas mal. Côté pollution. Côté pollution, ça fait mal. Là, on va avoir une zone forestière là. Là on aura de la zone forestière. Est-ce que j'ai accès au train? Bah non, bien sûr que non. Les bus par contre, il va falloir les faire. Alors on va quand même en faire. 30 000. C'est bien, j'ai pas de sous. Je n'ai pas de sous. Pas de sous par contre, là je peux continuer de faire la petite zone d'habitation. Voilà. Là, je peux développer ça. Pourquoi est-ce qu'ils sont abandonnés d'ailleurs? Parce qu'il n'y a pas assez d'employés, c'est ça? Parce qu'il n'y avait pas d'employés. Exactement. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire juste une petite zone. Ah bah tiens, cool. Je vais juste faire... Alors... Pour le coup, il n'y a que eux qui vont pouvoir venir là.
repartir aussi. Voilà. Est-ce que mon rond-point se passe bien ici? Oh oui. Ça se passe bien, alors je pourrais... Bon, ça je le ferai plus tard, je pourrais le faire là plus tard. Du coup, je vais faire juste... Alors... Allez. Je vais faire... Alors, je vais garder mon espèce de sortie d'autoroute. Elle était bien. En fait, ça va juste être pour voilà, pour créer une zone d'habitation, pas forcément hyper grande. Voilà, là je vais revenir en mode carré, parce qu'il va quand même falloir optimiser un petit peu. Là, je vais faire ma zone d'habitation. Là, je vais la faire là aussi. Là, je vais faire une zone commerciale. Et là, ça sera pour mettre un truc genre un parc, une connerie comme ça. Hop, on tire une canalisation ici. D'ailleurs, si vous avez eu ce problème là de pas avoir assez d'employés pour l'industrie, j'aimerais bien savoir comment régler ce problème efficacement si possible. Hop, on tire un câble là. Et ça devrait venir. Alors là, du coup, je vais pouvoir développer mon industrie tout autour. Voilà. Je pense qu'après on va se laisser là-dessus. Parce que j'aimerais bien avoir, je le répète souvent, hein, mais j'aimerais beaucoup avoir des avis sur ma ville, s'il y a des trucs qui vous paraissent complètement incohérents, pour pouvoir à l'avenir améliorer mon transport. Et là, j'ai cassé un truc, non ? Non, j'ai rien cassé, c'est juste que j'ai plus d'électricité. Ouais, pour pouvoir faire mon transport efficacement, etc. Voilà. Et puis si vous avez des idées de forme aussi, de construction un peu sympa, des trucs qui rendent vachement bien, j'aimerais bien exploiter cette île là. Cette île et la plage. Voilà, on va voir. Puis on va exploiter le train. Dès qu'on peut, on exploite le train. On va regarder côté trafic. C'est pas catastrophique, peut-être là un petit peu, c'est très léger, j'ai pas de bouchon de ouf comme avant. Après j'ai que 6000 habitants, hein.
6000 habitants. Là, j'ai le feu. Le problème avec mes conneries. C'est que je peux pas gérer le problème. Allez, toi tu te mets là. Toi tu te mets là. Et j'ai pas d'argent, ça coûte trop cher. Ah, 7000, j'ai l'accès au métro, aux zones de résidence élevée, commerciale élevée et des bureaux et université. Cool, et bah écoutez, on va se laisser sur ce succès. Et puis j'attends vraiment 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 vos commentaires pour m'aider, me donner des conseils, puisque voilà, c'est, je débute vraiment, ça se voit je pense. voilà, j'attends vraiment vos commentaires et je vous dis à la prochaine. Je pense que je vais tourner les épisodes la semaine prochaine, la Pâques. Ouais, pour Pâques, pendant Pâques, le lundi de Pâques, ça va être parfait. Allez, salut tout le monde, profitez bien et à bientôt. Ciao, ciao.